Nous sommes le vendredi 22 juillet 2016 et c'est le vlog numéro 216. Il est midi 20 et on a mangé très très rapidement. Enfin moi il a pris un petit déjeuner Noli à 11h30 et moi je me suis réveillée, je sais plus, il était 8h30 je crois, j'ai pris un petit déjeuner, un bol de céréales et j'ai mangé très rapidement les champignons et les tranches de jambon que j'avais pas fini hier pour mettre dans la pizza. Et là on va se dépêcher parce qu'on va marcher jusqu'au Monoprix qui est en train d'ouvrir à Saint-Michel parce qu'apparemment il y a un event aujourd'hui pour Pokémon Go et ils font des petites distributions de goodies. On va voir ça, on peut même obtenir une batterie, à mon avis ça doit être un tirage au sort ou un truc comme ça, parce qu'on peut avoir de l'eau, de la crème solaire et enfin plein de trucs comme ça, et une batterie pour recharger son téléphone. On va voir ça, dans tous les cas ça nous fera une balade et on va partir à la chasse aux Pokémon. On part tout de suite parce qu'on a que 1h30 pour y aller et je pense qu'on va pas mal s'arrêter à chaque fois pour choper des trucs, donc vaut mieux qu'on se dépêche. J'ai pas terminé le vlog hier parce que au final on était assez fatigués et j'étais en train de commencer à m'endormir devant One Punch Man. On est en train de le regarder, je sais plus à quel épisode on est, 5 ou 6, un truc dans le genre. J'aime beaucoup, c'est vraiment très drôle et je pense que ça devrait être encore mieux en manga, parce qu'il y a toujours des trucs en manga qui sont pas dans l'anime en général, et surtout des trucs drôles. C'est le cas par exemple de Dragon Ball Z, Dragon Ball pardon. Donc c'est clair que je pense qu'on va finir l'anime et après je vais regarder les mangas. Bon, nous on y va, c'est parti, les portables ils sont rechargés à fond, on part à l'aventure. On est sur la route pour aller au Monoprix et bah déjà grosse déception parce qu'on n'arrive pas à se connecter au serveur. Apparemment c'est saturation. Donc tant pis, pour le moment on marche juste et on attrapera pas de Pokémon peut-être un peu plus tard sur la route. Regardez, c'est Paris plage là. Il y a des gens, ils bronzent au bord de la Seine. De Monoprix et c'était nul à chier en fait. Ils avaient je sais pas combien de sacs, mais sincèrement ça devait être entre 50 et 200 maxi, et comme on était plus de 1000 personnes, même moi qui étais plutôt en début de file, j'étais genre presque devant la porte, bah je suis même pas rentrée dans le magasin. On n'a pas eu de sac et il n'y a eu aucun responsable du Monoprix pour nous dire en fait que bah du coup il n'y avait rien quoi. Donc ça, j'ai un peu les boules pour ça, parce que je trouve que c'est très mal mené. Ils n'ont pas du tout bien organisé le truc, dans le sens où à aucun moment ils se sont imaginés qu'il y aurait vraiment énormément de monde. Et bah là franchement c'était n'importe quoi, je veux dire, enfin pour ma part j'ai attendu une heure pour rien, mais surtout pour que personne, c'est ça qui me fait plus chier en fait, c'est même pas qu'il n'y ait pas eu de sac, c'est le fait qu'il n'y ait aucun responsable du Monoprix qui soit venu nous dire en personne « Bah voilà, il n'y a plus de sac, on est désolé, on ne peut pas vous en donner, arrêtez d'attendre quoi. » Et on l'a appris sur Twitter. Monoprix l'a annoncé sur Twitter, mais est même pas venu en personne le dire dans la file. Et la file, elle allait loin quoi. Moi j'ai filmé lorsque c'était à 45, enfin il était 13h45 lorsque j'ai filmé, il y a encore plus de monde qui est arrivé par la suite. Très mal organisé, je pense qu'ils ont juste voulu faire un coup de publicité énorme là-dessus sans en connaître l'ampleur. Bah moi pour ma part j'irai plus au Monoprix quoi, c'est terminé, parce que c'est le genre de comportement que j'aime pas, prendre les gens pour des cons et pas annoncer en fait, pas leur dire bah voilà désolé en fait on pensait qu'il y en aurait moins, on n'imaginait pas, ou nous dire même dès le début ils savaient le nombre de sacs, quand ils voyaient le nombre de personnes ils auraient très bien pu dire arrêtez d'attendre, c'est pas la peine, vous en aurez sûrement pas quoi. Enfin voilà, là j'ai super soif, ça fait plus d'une heure et demie que j'ai soif avant d'attendre dans la queue. Du coup on va aller à McDo se prendre un truc. Noli va prendre une glace. Oui.
Et moi je vais prendre de l'eau et peut-être un esti aussi, mais surtout de l'eau parce que j'ai vraiment soif. Donc on va voir ça, ce sera bien cool en tout cas. Elle va pouvoir faire des petites captures de Pokémon avec nous dans Paris. Il est 2h40 du matin et on va se coucher. Marie est bien arrivée, elle a commencé à attraper quelques Pokémon, donc elle est contente. Et demain on va encore partir à la chasse aux Pokémon. Je pense qu'on va retourner au même point qu'aujourd'hui parce que c'est vrai qu'au bord de la Seine près de Notre-Dame c'était plutôt un bon spot. Aujourd'hui on a attrapé 2 mini Draco pour ma part, 3 pour Noli. J'ai attrapé un Magmar aussi, t'en as eu un? Ouais aussi. Donc c'est vrai que bah, ça c'est plutôt plaisant. Ce soir on a mangé japonais à volonté du coup. À la base on voulait faire une salade mais j'avais tellement faim. Et ce midi comme on n'avait pas mangé, j'avais mangé à l'arrache. J'avais trop la dalle, donc on a mangé japonais et c'était cool. Du coup, on va aller se coucher parce qu'on est fatigué. On se retrouve demain pour un nouveau vlog. Prenez soin de vous, c'est important. Bisous bisous, un sur chaque joue. T'aimes bien quand il y a beaucoup de sauce tomate? Pas trop quand même. Ouais, il y en a presque plus. Bah. Rien. D'accord. Ah, ça sent pas chaud.